Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de C'est-à-dire. Prévenir ou régler un conflit sans devoir passer par un tribunal, est-ce possible aujourd'hui? Eh bien oui, grâce à des modes alternatifs de résolution de conflits comme la médiation professionnelle. Et nous en parlons dans ce numéro de C'est-à-dire avec notre invitée du jour, Madame Véronique Bamba. Elle est médiateur professionnelle et fondatrice de BBS Consulting, un cabinet de médiation et d'expertise diverses. Bienvenue Madame Bamba. Bonjour. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, traditionnellement, le mode de résolution de conflits le plus connu, c'est le mode étatique ou judiciaire. Et à cela, s'est ajouté un autre mode alternatif, la médiation professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la médiation professionnelle, c'est une médiation d'une personne qui intervient lors d'un conflit et qui aide les protagonistes à trouver des solutions. Et la médiation professionnelle, elle est quelque chose de spécial en ce sens qu'elle prend en compte les relations entre les personnes. Parce que pour nous, le conflit naît à partir des relations qui se sont dégradées. Donc des gens se sont entendus à un moment donné et puis après ne s'entendent plus. Et puis parce qu'il y a eu des éléments qui les ont dégradés. Ils se sont mis des contraintes, ils se sont mis des jugements. Tout cela se fait de façon insidieuse et à la fin, on ne s'entend plus et le conflit naît. Et pour nous, il faut partir à la base, trouver les raisons qui ont dégradé ces relations-là, emmener les personnes à rétablir la communication, à se parler et elles-mêmes, elles trouvent des solutions à leurs problèmes. Et ensuite, on établit des méthodes de prévention, de telle sorte que ces genres de situations n'arrivent plus. Donc c'est pour ça qu'on parle de résolution. Alors le mode alternatif de la médiation, qui pour le règlement des différends, a toujours existé en fait. Hein. C'est des choses qui sont toujours là, qui ont toujours existé dans les dispositifs juridiques. Ce que nous préconisons, c'est que cela soit un réflexe pour toutes ces personnes qui sont en conflit ou pour toutes ces personnes qui vivent mal leur relation, d'avoir recours par exemple aux méthodes de la médiation professionnelle. Même le juge, avant de rendre sa décision, peut recourir à cette méthode-là pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les problématiques qui lui sont posées. Et si on peut éviter un conflit, si on peut éviter par exemple un jugement, je veux dire, si on peut éviter de faire trop traîner les procès en longueur en passant par ces modes-là, c'est quelque chose que l'État gagne. Parce que dans tous les cas, on met de l'argent, le contribuable paye les procès. Et donc, moins il y a de procès, moins le procès dure en longueur, plus l'État gagne en quelque sorte. Donc, les modes alternatifs tels que la médiation professionnelle ont leur place dans les procès. Donc, c'est quelque chose que nous recommandons et que nous amenons de plus en plus les personnes à y recourir. Donc vous voulez dire que ce mode alternatif, la particularité, c'est que ce mode est moins long par rapport aux démarches qu'on suit dans nos tribunaux, c'est cela? Exactement. Alors, en 3 mois, vous pouvez régler un problème, hein, un différend entre des personnes. L'avantage, c'est que c'est les personnes elles-mêmes qui sont en conflit qui trouvent leur solution. Voilà. Soit elles décident de continuer à poursuivre leur relation comme par le passé. Dans ce cas-là, elles rétablissent la communication et elles reprennent leur vie comme par le passé, ou elles décident d'aménager leur relation. Et dans le cas de l'aménagement, elles peuvent décider, par exemple, dans le cas des divorces, on se sépare, mais les enfants restent avec maman pendant l'année scolaire et puis pendant les vacances, vont chez papa, etc., etc. Mais vraiment, c'est avec les personnes qui sont en conflit. C'est elles-mêmes qui vont décider cela. C'est pas le juge qui va le leur imposer de sorte à frustrer une des parties, par exemple. C'est elles-mêmes qui trouvent. Et dans ce cas-là, on fait l'économie d'un procès, on fait l'économie d'un dossier énorme devant le juge, etc. Voilà. Donc, tout ce qui est relation entraîne forcément les conflits. Ça, nous disons, il faut le savoir, que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, le conflit, il n'est pas
il va arriver un jour ou l'autre. C'est cela. Voilà. Et donc, quand vous savez cela, vous avez une manière de vous comporter avec les gens, vous avez une manière de vous tenir avec les gens pour éviter les conflits. Et c'est ça qui est le plus important à faire voir. Et est-ce que lorsqu'on a déjà, par exemple, entamé des procédures du côté de la justice, est-ce qu'à un moment, on pourrait l'interrompre et avoir recours à un médiateur professionnel ou il faut finir d'abord tout le processus de l'autre côté? La médiation professionnelle, elle intervient à tout moment. C'est-à-dire les personnes qui sont en conflit peuvent décider que devant le juge, ça a mis du temps. On peut revenir à s'entendre et puis aller devant le juge après pour lui dire « Bon, écoutez, finalement, je crois qu'on va laisser tomber, je retire ma plainte, etc. etc. » On trouve d'autres solutions. Ou même le juge peut décider d'avoir recours à un médiateur professionnel pour l'aider à instruire le dossier. Par exemple, à trouver des solutions qui ne vont pas aller dans le sens de frustrer une des parties et augmenter le différend, par exemple. Parce que souvent, les décisions sont prises pour le juge, c'est la loi. Mmh. Mais pour les personnes qui vivent cela, elles peuvent le vivre vraiment mal. Difficilement. Oui. Difficilement. Mmh. Voilà. Et donc, avoir recours à un médiateur pour instruire le dossier pour le juge, c'est pas une mauvaise chose non plus. D'ailleurs, aujourd'hui, la médiation professionnelle a initié une formation spécifique qui est la médiation judiciaire. Donc, les tribunaux en France, par exemple, font appel à des médiateurs judiciaires pour instruire les dossiers, pour guider, pour comprendre, pour aider le juge à comprendre les problématiques. Et il y a beaucoup de situations qui sont réglées et le juge est beaucoup plus à l'aise pour traiter des dossiers peut-être beaucoup plus, plus problématiques, plus, qui appellent plus un œil juridique, etc. etc. Voilà. Et c'est un mode qui s'intéresse à tout type de conflit. Exactement, tout type de conflit, les conflits familiaux, c'est-à-dire partout où il y a de la relation en fait. D'accord, même en entreprise. En entreprise, surtout en entreprise même de plus en plus, oui. Les managers devraient avoir recours à ce mode de management. Parce qu'il y a des outils de management qui sont implémentés par la médiation professionnelle. Par exemple, déterminer qu'il y a du harcèlement dans une entreprise, c'est déjà bon pour un manager de savoir qu'il y a des problèmes de harcèlement dans son entreprise. Par exemple, dans les établissements scolaires, on a vu en France que des enfants se suicidaient parce qu'ils étaient harcelés à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, on demande d'enseigner l'empathie à l'école. Ça se passe dans les pays nordiques et la France veut initier l'empathie à l'école. Alors nous disons, oui, l'empathie à l'école, mais pourquoi pas initier, par exemple, le mieux vivre ensemble avec la qualité relationnelle, apprendre à l'enfant à ne pas harceler, à ne pas être méchant avec l'autre, etc. Parce que ça crée de l'inconfort, ça crée des frustrations, ça crée des enfants déprimés, etc., etc. Mais vraiment apprendre les rudiments, savoir communiquer avec les gens, considérer l'autre, par exemple, c'est beaucoup plus important qu'être empathique. Je vais dire, je suis empathique avec vous aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce que je deviens? Et celui qui a bénéficié de l'empathie, vous ne savez pas comment il peut réagir. Ça peut être de la condescendance aussi. Cette empathie peut se transformer en condescendance. Donc, la personne vers qui vous allez, elle peut très bien ne pas apprécier cette façon de faire. Par contre, indiquer que l'autre est l'autre, que cette personne-là a ses propres aspirations, ses propres façons de faire, et qu'il faut la respecter et construire plutôt un pont. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, Estelle est ce qu'elle est, il faut qu'on s'entende parce qu'on vit dans un milieu commun, on met des jalons pour pouvoir s'accrocher et pour vivre ensemble. Plutôt que juste de l'empathie, « Oh, elle est triste aujourd'hui, un petit bisou, oh, elle est triste aujourd'hui, je viens vers elle pour parler. » Ce n'est pas de cela qu'il s'agit en fait, c'est plus profond que cela, c'est le bien-être de l'autre qu'il faut solliciter. Donc tout cela nous amène nous-mêmes à faire un effort sur nous-mêmes, parce que la médiation professionnelle prône que c'est ensemble qu'on construit quelque chose, moi et vous, ensemble. Donc j'ai des efforts à faire, vous avez des efforts à faire, or moi ce qui est bon ensemble pour construire quelque chose de meilleur.
Alors, lorsque vous êtes face à deux parties en conflit, est-ce que vous avez une méthodologie toute faite pour tous les types de conflits, que ce soit pour les couples, en entreprise, ou la méthodologie s'adapte en fonction des cas? La méthodologie est unique. Elle est la même. C'est-à-dire que pour nous, quel que soit le conflit, c'est la relation qui s'est dégradée. Pour nous, un conflit, c'est un projet relationnel qui est en souffrance. Donc, on part de là. Ensuite, l'écoute des personnes est indispensable. À partir du moment où vous faites parler quelqu'un qui est en souffrance, vous gagnez vraiment 50 à 60% Donc, première de étape, l'écoute individuelle. Ensuite, lorsque vous êtes certain que ces personnes ont vidé vraiment leur sac et qu'elles peuvent renouer la communication, on les met ensemble pour qu'elles communiquent. Et dans tout ce processus, le médiateur est là en superviseur. À aucun moment, il décide « Ah, vous avez trop parlé oh, ». Non, on laisse les personnes vraiment parler et on les amène à mettre des mots sur leur souffrance. Parce que quand vous êtes vraiment en souffrance, vous êtes vraiment en conflit, vous réalisez même plus ce que vous faites. On le voit avec les conflits aujourd'hui qui se passent, où vous avez des populations qui se soulèvent alors même qu'elles devraient ne pas le faire parce qu'elles n'ont pas le moyen de survenir à leurs besoins. Mais elles le font parce qu'elles sont exacerbées. Elles en ont marre. Elles n'en peuvent plus. Voilà. Justement, comment vous arrivez à gérer les tensions? Parce qu'il y a des moments où c'est clair, hein, les échanges peuvent être houleux, mais comment vous arrivez à gérer? Alors, il faut dire que vous-même, il y a un travail que le médiateur professionnel fait sur lui-même. Sur lui-même. C'est pour ça qu'on dit... Pour assurer la neutralité. La neutralité. Oui. Donc, c'est un travail que nous faisons sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a le diplôme. C'est une formation que les médiateurs reçoivent. Et donc, cette formation nous permet de garder notre distance par rapport à la situation qui se passe et de faire en sorte que les personnes puissent trouver les mots pour s'exprimer et s'exprimer de façon constructive. Voilà, il y a une façon de dire à quelqu'un, vous m'avez blessé, ça m'a porté préjudice, voilà. Et quand vous me parlez comme ça, je comprends mieux que c'est ma façon, j'ai posé tel acte qui a pu provoquer tel autre. Et de fil en aiguille, et à la fin, les personnes se rendent compte que peut-être je ne suis pas si innocente dans le conflit qui se passe. Parce que toujours quand il y a un problème, on pointe plutôt l'autre. Voilà, et c'est en cela que la médiation professionnelle est un peu spécifique. Voilà. D'accord. Alors, quelle est donc votre approche générale en tant que médiateur professionnel? Alors, dans le conflit, pour résoudre le conflit, on part donc de la connaissance. Là, on appelle ça vraiment la cause racine. D'accord. Voilà, ce qui a pu provoquer cela. Ensuite, on revient à trouver des solutions. Et ces solutions, on laisse les personnes, les protagonistes, être décidés, leaders et avoir le leadership. Et nous sommes là pour les emmener à se parler, à mieux comprendre les positionnements des uns et des autres. Donc il peut arriver des moments où les deux parties refusent de se réconcilier. Alors pour nous, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. Les personnes peuvent très bien refuser, pas de se réconcilier, peuvent très bien refuser de reprendre la relation. D'accord. De commun accord, on dit c'est plus possible, on se sépare. Mais ce qui est important, c'est que la relation, elle va exister sous une autre forme. Par exemple, on n'est plus ensemble, mais ce n'est pas que quand on se voit, on n'est pas en animosité. Mais on se sépare tout de même. On sait ça, on se sépare. La séparation, elle est salutaire chez vous. Absolument. Par moment, la séparation est salutaire. Parce que vous arrivez à des moments où les personnes, surtout dans les couples, où les personnes ne s'entendent plus du tout, où ça devient explosif, quand elles se séparent, c'est peut-être salutaire pour elles-mêmes et pour les enfants. Et ce qui est intéressant également, une fois que les solutions ont été trouvées, on met des systèmes de prévention, de telle sorte que ces personnes-là peuvent anticiper, peuvent voir ce qui, dans leur comportement, a pu blesser l'autre et le figer dans sa position de refus et de conflit. Voilà. Et on parle surtout de résolution parce que nous, c'est la relation. À partir du moment où votre ancien protagoniste, vous arrivez à vous parler, vous arrivez à communiquer en personne qui s'écoute, en personne qui résonne, à partir de ce moment-là, pour nous, la médiation a réussi.
Parce que s'il s'agit de rétablir la relation pour qu'elle reparte, ou alors on l'arrête pour que les personnes vivent bien. Madame Bamba, c'est tellement intéressant ce que vous dites qu'on va, respirer un tout petit peu, on va marquer une courte pause et revenir juste après. À tout de suite.